Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Soif de sang. Je vais faire la deuxième partie du chapitre 2. Alors, comme il s'est passé des trucs pendant que... Si vous voulez, en fait, il s'est passé des trucs quand je suis sortie de la douche. Donc en fait, quand j'étais avec Is dans la douche, après je suis sortie, donc je l'ai laissée toute seule. J'ai vu ma sonne qui m'a demandé qu'est-ce que je faisais ici, etc. Puis... Et après, il y a le directeur qui est arrivé. Et puis là, normalement, ils sont en train de se faire engueuler. Alors, c'est parti. Voilà. Ils sont là. Bon, du coup, comme je vous dis, ils allaient se faire engueuler, quoi. Moi et mes potes, on allait juste partir. Oui, mais bien sûr. Maintenant, mademoiselle Roua, monsieur Wilder. D'abord, j'entends parler d'une bagarre sur le campus. Et maintenant, je vous trouve dans les vestiaires des garçons pendant les heures de cours. Oh, retenez tout de suite! Waouh, lui, il y va cash. Je vais vous demander de bien vous comporter. Je dois présenter de rares objets au bal masqué de l'histoire de la société du soir, de ce soir. Ma mère va me tuer, je n'ai jamais été en retenue avant aujourd'hui. Et je suis mort-vivant. Je suppose qu'on doit s'habituer à une nouvelle condition. Non, pas moi, je suis toujours le même maçon. Sur qui on peut compter? Réfléchis vite, frérot. Aïe. Super, maintenant me voilà coincé au milieu de votre connexion physique. Psychique. T'as pas intérêt à te transformer en vampire, Mulan. Tu sais bien que je ne la transformerai jamais. Les gars, baissez d'un ton. C'est une bibliothèque. Pourquoi elle a sorti un livre d'Illuminati? Je peux savoir. En parlant de ça, cette école a vraiment besoin de passer à l'ère digitale. What the fuck? Ce livre est plus ancien et plus qu'ancien. Waouh! Regardez ça, la légende des vampires de Cape. C'est bizarre, c'est comme si quelqu'un avait voulu qu'on le trouve. Ouais, bien sûr, puis là on va dire, mais non, puis en fait, mais si. Non, oh non. Dis-moi ce que ça dit. Un nouveau vampire doit aspirer le sang d'un humain avant sa première pleine. Ok, ça n'a pas l'air génial. Qu'est-ce qui se passe si je n'aspire pas le sang d'un humain? S'il ne le fait pas, il perdra son âme. C'est glauque. Ne paniquons pas. Quand se déroulera la prochaine pleine lune? On dirait bien que c'est ce soir. Oh my god. Mulan, je ne peux pas devenir un animal sans âme. Je ne laisserai pas ça arriver. Tu m'as sauvé la vie. Maintenant c'est mon tour de te renvoyer l'appareil. Is, nourris-toi de moi. Waouh, ça devient très romantique et très glauque. Peux-tu convaincre Is d'accepter ton offre? Découvre-le dans le chapitre 3, la lune de sang. Alors, attendez, ça fait combien de minutes, là? Oh, j'ai un diamant, du coup. Attendez, ça fait combien de minutes? 3 minutes 57. Écoutez, j'ai pas tout de suite envie de faire la suite donc du chapitre. En plus, ma vidéo prend longtemps à charger. On a juste fini ce truc pour faire genre que c'était la fin de la vidéo, d'accord? Genre la fin de la vidéo. Alors, vous inquiétez pas, je sortirai des vidéos entre deux. C'est-à-dire, je sortirai des vidéos, par exemple, sur Roblox avec ma sœur. Ou bien des shorts sur mes dessins que je fais sur Paint My Number. Vous pouvez l'installer sur le Play Store, c'est trop bien. Et aussi épisodes, hein, si vous voulez voir plusieurs épisodes, il y en a plein, hein, et bien sûr. Mais là, moi, pour l'instant, je fais Soif de sang. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais déjà? Oui, il va y avoir des épisodes entre deux. Donc, entre deux, ça veut dire... Que euh,
Là, je fais cet épisode-là, puis sûrement après, je mettrai la vidéo soit de Roblox, soit des shorts et tout sur mes dessins, d'accord? Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Salut!